Yo tout le monde, c'est GamerZFR, j'espère que vous allez bien. Personnellement je vais super bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se pointe l'étape numéro 2 du Critérium International de la saison 2016. Nous sommes sur le jeu Tour de France 2015 en mode pro team. Aujourd'hui étape 2, étape courte de 6 km, 1 contre la montre individuel. Non, par équipe peut-être. Non, individuel il me semble. Ouais, individuel. Et voilà, parce que c'est parti, on va prendre notre leader pour essayer de lui faire perdre le moins de temps possible. C'est parti, vidéo courte je pense, puisque c'est un contre-la-montre de 6 km, tout simplement. Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps. Allez, on l'encourage. Bon, on va essayer en tout cas d'être dans les temps de l'objectif. Pour ne pas perdre de temps. À savoir que lui, il est super bien placé au général. Parce que rappelez-vous, la première étape simplement, il y a eu une échappée au début, on avait fait 12e avec notre sprinter, j'étais vraiment super content de nos performances. Et surtout ce petit coureur que vous voyez ici, qui d'ailleurs n'a pas une forme bonne et donc ça va être compliqué, avait réussi à se glisser dans cette échappée, j'avais même pas remarqué, et était arrivé dans le même temps que les autres. Donc du coup maintenant il est à 10 secondes de retard au général. Et un peu plus gros, enfin les autres leaders sont légèrement plus loin dans les minutes 10, donc ça pourrait pourquoi pas nous avantager. Donc je suis content que l'IA ait réussi à le glisser dans cette échappée, parce que ça pourrait nous avantager, ça c'est sûr. Surtout que c'est pas notre leader, mais il pourrait être notre leader. C'est un coéquipier de luxe pour Niemek, notre leader, mais il pourrait facilement avoir sa place de leader dans l'équipe évidemment si Niemek serait pas bien. Alors, on a 5 secondes d'avance. On va voir. On va simplement essayer d'arriver dans le temps de l'objectif. Hein, surtout qu'on a une forme médiocre. Mon contre-la-montre, c'est plutôt pas mal. C'est pour ça que d'ailleurs je l'avais acheté. Il a une bonne forme, il a une bonne note en contre-la-montre, comme Niemek d'ailleurs. C'est vrai que c'est pratique quand on est un leader grimpeur d'avoir une bonne note en contre-la-montre, parce que dans les tours, il y a des contre-la-montre. Tout peut se perdre sur le contre-la-montre. Hein. Bon, là, j'ai loupé mon virage, donc ça pourrait me coûter cher. Allez, et là on y va à fond. Oh, on va arriver dans les temps. Ouais, 1 minute 15. 5 secondes d'avance, il me semble. Exactement pareil qu'au deuxième. Premier point d'intermédiaire, en tout cas. Bon, on a fait un bon résultat, je pense. C'est plutôt pas mal. J'ose espérer, en tout cas. Normalement, oui, évidemment, on ne gagne pas. C'est une logique. Ah, voilà, on ne gagne pas. Pas de top 10. Mais on finit 48e à 16 secondes, donc c'est relativement bien. Il est où Niemek, 12 secondes, ou bien joué Niemek. Et donc au général, eh bien nous sommes 6e, on a pris 9 places, on est à 13 secondes, on a juste perdu 3 secondes au général, donc c'est vraiment rien. Et avec Niemek, on a dû également prendre des places, et oui, on est 30e à 1 minute 29. Bah écoutez, c'est bien. Surtout 6e avec Plaza à 13 secondes, c'est excellent, j'ai même envie de vous dire. Voilà, c'est excellent, c'est un super bon début. Donc on va voir pour cette étape-ci, donc dans le prochain épisode, si simplement on va réussir à faire quelque chose de bien. Mais franchement, j'ai un pressentiment qu'on peut faire quelque chose de bien. Le gagner, je sais pas, mais oui, on pourrait le gagner. Franchement, je pense qu'on a des chances de le gagner. Après, on peut facilement faire un top 10, je pense. En tout cas, rester dans le top 10 au général, je pense qu'on peut facilement le faire. Quand on voit... Bon, après, il faudra qu'il soit en forme, ça c'est sûr. Mais quand on voit qu'il est déjà 6e à 13 secondes seulement, on peut espérer rester dans le top 10 assez facilement, je pense. Parce que les autres sont environ à 1 minute 20 de nous. Donc ça va déjà leur poser une difficulté. Il va falloir qu'ils arrivent à nous mettre 1 minute 20. Pour nous prendre nos places. Et ça se fait pas comme ça. Même s'ils sont bons, ça se fait pas comme ça. Donc voilà, donc épisode vraiment très très court, 5 minutes on va dire, à quasiment 5 minutes même pas. Donc hyper court comme épisode, mais bon c'est comme ça, c'est un contre la montre. J'aurais dû faire même l'étape 1 et l'étape 2 dans le même épisode. J'ai carrément pas pensé, mais bon c'est pas grave, en tant que c'est tourné c'est comme ça. Et donc dans le prochain épisode on fera l'étape de montagne. Donc c'était GamerFR, si jamais la vidéo vous a plu, un petit like et abonnez-vous, ça fait super plaisir. Tchuss.